plonge la tête la première dans un nouveau défi avec Woohoo. Salut Dorothy! Hey Polly! Ça fait trop longtemps? J'ai plein de trucs à te raconter. Ouh, qu'est-ce que c'est? Il pleut? Cool! C'est tellement rafraîchissant! Oh non, c'est si humide et boueux! Je déteste la pluie! Je veux que le soleil revienne! Mais en fait, c'était pas la pluie, c'était Sid! Bienvenue au nouveau défi! Passe 24 heures sous l'eau ou sur la terre ferme! On va danser? Regarde ces moves, Sid! Maintenant, je vais faire le robot! Et la vague! Et Dorothy danse comme Moana! Ses mouvements sont si fluides et envoûtants! Comme de l'eau! Je peux danser aussi? Regardez-moi ça, les filles! C'est l'heure de s'entraîner un peu! Sauter! Passer dans un hula hoop sous l'eau! Faire la roue! Sous l'eau, tout est différent! Des squats et du cardio! Courir sur place! Méditer! Parfait! Et du yoga sous-marin! Ah, oh, je suis crevée! Excellent travail, les sportifs! C'est l'heure du déjeuner! Polly décide de faire un barbecue. Oh non, j'ai tout fait cramer! Du feu? Je serai ton héros, Polly! Je vais éteindre le feu! Merci, Dorothy! Moi aussi, tu m'as refroidi! Oups! Bien joué, Dorothy! Mes compétences athlétiques vont forcément impressionner Sid. Regarde comme je sais bien faire du skate. Oups! J'ai besoin de m'entraîner un peu plus. Tu dis que t'es une sportive? Je vais te montrer comment les vraies nymphes de l'eau font du skate. Dorothy roule sur son skate sous-marin comme un dauphin professionnel. Waouh, elle fait du super boulot! Tu veux jouer au ping-pong? Tu vas devoir jouer hors de l'eau, Dorothy! Oups! On peut pas jouer avec cette vitre! Je vais chercher la balle! Bouge pas! Je l'ai trouvée! Hey, Polly! Continue à jouer, Dorothy! Oups! Les filles, vous êtes sérieuses, là? Ah, c'était un bon petit-déj! Mais j'ai une assiette sale, maintenant! Je sais qui peut m'aider! Dorothy, t'es déjà entourée d'eau? Fais ma vaisselle! Polly, attrape! Waouh, c'est impec! Les filles, vous êtes des génies! Continuez ce bon travail! Pour attirer l'attention de ce type, on devrait essayer de se maquiller. Peu importe où je suis. Sous l'eau ou sur la terre ferme. Quelques accessoires dans les cheveux et du rouge à lèvres. Évidemment. On le voit même sous l'eau. Mouah! C'est plus facile de se maquiller sur la terre ferme. Pas besoin de rouge à lèvres waterproof. Et voilà! Salut, Sid! Oh là là! Le défi devient de plus en plus chaud. On a un rendez-vous? Je suis tellement nerveux! Voici Polly. Salut! Tu veux de la limonade? Attends, je vais ouvrir la bouteille.
J'y arrive pas. C'est trop serré. Donne-moi ça, Sid. Je vais te verser un peu de limonade. Est-ce que ça va? T'as l'air nerveux. Sid n'arrive pas à se calmer. Il a besoin d'un baiser pour l'aider à se détendre. Attends, Polly. Hein? J'ai besoin de me rafraîchir et de me détendre un peu. Salut, Sid. Je suis contente que tu m'aies rejoint sous l'eau. Dorothy adore l'art. Alors, elle va tenter de peindre un chef-d'œuvre sous l'eau. Mais ça marche pas terrible. La peinture se dissout dans l'eau. Elle colorie son aquarium et pas le papier. Oh, la déception! Polly a sa propre technique. Elle prend de la peinture et la verse sur la toile. Pas dans l'aquarium. C'est comme une vague de couleurs. Le tableau est terminé. L'art moderne, c'est incroyable. Les filles, j'ai fait un dessin de vous. Quoi? Vous aimez pas? Vous prenez pas pour des critiques d'art. Livraison de pizza! Merci! Dorothy, tu veux de la pizza bien chaude? Juste un petit truc par contre. Si t'aimes tant l'eau, tu peux manger ta pizza sous l'eau. Il manque quelque chose. Oh, ça a besoin de sauce! Polly? Trop bon! Bon app! Un défi dans un défi. Polly essaie de relever le défi de la bouteille retournée. Mais elle n'y arrive pas. Pourquoi tu rigoles, Dorothy? Essaie donc toi-même. Mais dans l'eau, la bouteille flotte. Ce défi, c'est pas pour nous. Les filles, vous avez échoué. J'adore jouer avec des Legos. Ça m'apaise. C'est un vaisseau spatial Star Wars? Est-ce que je peux aussi essayer d'en construire un? Bien sûr! Mais tu dois le faire sous l'eau! Ok, je ferai juste un sous-marin alors! C'est facile de trouver toutes les pièces dans l'eau transparente! Et voilà! Vous avez toutes les deux fait un excellent travail avec vos Lego! Bien joué les Lego Girls! Dorothy, j'ai une énorme nouvelle. Dorothy? Hey, Dorothy! Je crois qu'elle entend rien sous l'eau. Je vais devoir l'appeler. Dorothy, prends ton aquaphone. Hey, copine! Je viens d'entendre un truc de dingue. Heureusement que le réseau passe bien sous l'eau. La technologie, c'est tellement efficace. On va faire une dernière petite blague. Attrape, Dorothy. Une bombe à eau dans un aquarium? C'est pas la meilleure des blagues, Polly. Mais cette blague va certainement avoir un sacré impact. Je crois qu'on ferait mieux d'en terminer là avec le défi. T'as aimé notre défi? Alors, dis-nous dans tes commentaires si toi, tu aimerais passer une journée entière sur Terre ou sous l'eau. Et toi, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo et clique sur la cloche. Ne manque aucune nouvelle vidéo hilarante de Wouhou.